Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la fin de mon coloriage du livre The Inspiration de Julia Spiri. Voilà, donc j'ai terminé aujourd'hui le coloriage. Alors cette fin de coloriage par contre vous allez la voir en deux vidéos. Je suis désolée, je pensais avoir fait la vidéo plus courte, mais non. La vidéo, alors malgré que je l'ai un peu accélérée, mais vraiment très peu, pour que vous puissiez quand même voir les changements de crayon et tout, elle fait quand même pas long, presque 2 heures, donc j'étais obligée de la mettre en deux vidéos parce que sinon vous seriez endormi devant la vidéo. Donc là, vous allez voir la première partie, donc qui est de là, tous les feuilles qu'elle a dans les cheveux. Et la deuxième partie de la vidéo, donc qui sera sur une autre vidéo, que vous aurez à la suite, ce sont les cheveux. Voilà. Et la vidéo, et le dessin là sera terminé. Donc je suis désolée, je pensais pouvoir vous le faire en deux vidéos, mais... là du coup vous en avez 3 avec la première qui est déjà passée, ça a été plus long que prévu, mais c'est vrai que toutes ces feuilles qu'il a fallu faire une par une, ça a été très long. Et bon, les cheveux c'est toujours un peu long aussi, donc voilà. Bon, bah, j'espère que vous m'en voudrez pas. donc voilà, ce dessin donc m'a beaucoup plu aussi à faire. J'en ferai d'autres hein, sur ce livre, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, je ne sais pas sur quel livre je vais reprendre après. Je vais voir. De toute façon, comme d'habitude, je dis j'ai le DP à faire. Mais bon, je souhaite reprendre Emmanuel Collin, soit reprendre... alors, j'ai Maria... Maria Troll aussi. Bon, j'ai le coloriage mystère. J'ai beaucoup de livres là à faire, des coloriages. Donc, je ne sais pas. Bon, je vais voir lequel je vais choisir. Vous aurez la surprise. Voilà. Je vais vous laisser visionner donc cette vidéo. Là, de toute façon, aujourd'hui, je n'ai fait que ça. Ce matin, je suis quand même allée un peu à mon jardin. Comme vous aviez pu voir dans la vidéo, dans une des vidéos, dans le fond, tout au fond de mon jardin, j'avais des encombrants. Et j'en avais marre de les voir. Marre. Parce que nous, on n'a pas de camion pour les encombrants qui passent. Hein. On doit aller les emmener nous-mêmes à la déchetterie. Et donc, là, j'en avais tellement marre. Ce matin, je suis allée à Action. J'ai acheté des grands sacs spéciaux pour le jardin. Et j'ai mis tous mes encombrants dedans. Donc, j'ai fait 8 sacs. C'est 8 sacs de 130 litres. Donc là maintenant les sacs sont toujours au fond du jardin, mais ça va, j'ai le voisin qui m'a dit je vais emmener tes sacs à la déchetterie cette semaine, donc ça va. Je suis tranquille, et au moins ce coin là maintenant est débarrassé, j'ai plus qu'à le désherber, à m'arranger. Là je ne peux rien planter, je voudrais bien replanter quelque chose, mais il faut que je mette des sacs, plusieurs sacs de terreau. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Mais j'aimerais bien quand même y mettre des plantes. Mais comme il y a les grosses racines de l'arbre de la rue qui passent dedans. Et puis, il y a du béton par rapport à la clôture. Il y a pas mal de choses. Donc, il faut que je vois comment je peux faire. Mais ça me fait perdre... plus d'un mètre sur 2-4. Ouais, sur 400 mètres de long, et j'aurais bien en faire quelque chose quand même. Donc, je vais voir. On va réfléchir, on va trouver. Allez,
Je vais vous laisser visionner cette petite vidéo et la suivante après pour voir la fin de ce coloriage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.